Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que donc à la réunion d'information de la première année psychologie, on nous a indiqué qu'il y avait donc cette journée, l'UCA Travel Tour, donc où on va nous présenter les différents dispositifs de l'université Clermont-Auvergne qui peuvent nous aider tout au long de nos études. Alors l'objectif de ce dispositif, c'est d'accueillir les étudiants de première année, surtout de leur faire découvrir l'ensemble des services universitaires dont ils auront besoin tout au long de leur cursus. Et au-delà de ça, c'est surtout aussi se rencontrer en petits groupes, faire connaissance, ce qui est important également pour la réussite étudiante. L'idée, en fait, effectivement, c'est de proposer un temps qui soit un petit peu un temps d'accueil, un temps ludique, pour permettre aux étudiants de se saisir de l'université, de prendre le temps de cette découverte, de rencontrer les professionnels des différents services physiquement, donc d'avoir aussi un contact et de mettre un visage sur des services. Donc le jeu sérieux, il est sur la thématique du voyage. Les étudiants vont faire escale, ils sont regroupés en équipage. Et puis, voilà, d'escale en escale, ils vont découvrir ces différents services. J'ai découvert pas mal de services vraiment pour les étudiants, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller en vacances par exemple. Il y a des propositions justement pour partir en vacances à moindre prix. Pareil pour ceux qui font du bénévolat, de l'engagement. Il y a des services proposés aux étudiants que je connaissais comme l'aide aux ceux qui sont autistes, aux handicapés, les aides pour ceux qui ont des problèmes psychologiques ou même d'addiction. Il y avait moment pépite. Premier mot, je sais plus, mais quelque chose pépite. Ça nous parlait des cours d'entrepreneuriat. Donc, on n'en prend pas forcément à l'université. Je trouvais ça super, je connaissais pas. Donc, des cours spécifiques à l'entrepreneuriat, comment on peut commencer quelque chose par nous-mêmes sur différents niveaux. Donc, je trouvais ça bien. Alors ce jeu a démarré d'abord avec deux filières qui touchaient donc 280 étudiants. Cette année, on arrive à 10 licences qui sont impliquées et plus de 2000 étudiants. Donc on sent qu'il y a un engouement qui arrive auprès des universitaires, des étudiants également. Et ça, c'est aussi grâce à notre financeur, l'Agence nationale de la recherche, qui nous a permis de développer ce jeu. Et on veut remercier aussi tous les services qui se mobilisent chaque année pour renouveler cette expérience, tous les services universitaires, les collègues, voilà, et les étudiants bien entendu. Thank you.